Voilà. C'est une très belle question. Vous allez adorer cette question. Est-ce qu'il y a eu un événement antérieur à la sortie d'Égypte dans la Bible, antérieur, qui correspondait à une première sortie des Juifs? Ce qui se produit, c'est s'écoule doucement au départ. Et après, au fur et à mesure, ça éclate. Voilà. Et tous les mecs du dépôt. Est-ce que la sortie d'Égypte s'était déjà préfigurée par une autre sortie qui est racontée dans la Bible? Et qui aboutit également à une révélation et une alliance. Il y aurait 150 mecs du dépôt derrière. Ouais, ça me dit quelque chose, je me souviens plus bien. Et à un moment, Abraham, il a été en Égypte, il est ressorti, puis il est retourné. Je ne parle pas d'Égypte. Qu'est-ce que vous avez parlé d'Égypte? On ne parle pas d'Égypte. On parlait de... Une autre sortie. Une autre sortie. C'est pas une boîte de l'Opède, le dépôt. C'est pas seul aussi. Il est parti des trucs dont Abraham a quitté sa terre d'origine. Oui, oui. Tu vois la rue Saint-Martin. Parce que j'ai posé la question à Gassan, au bout d'une heure, il n'avait toujours pas compris. Oui, quand il est parti de... Voilà. De la Chaldée. Oui, c'est ça. Et il est parti pour aller où? Pour aller vers la Terre Promise. Oui. Et quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont allés où? Vers la Terre Promise. Voilà. Donc il y a un parallèle intéressant. Mais pas de la même distance. Ça, non, mais il y a eu deux scénarios de sortie qui sont liés à la Terre Promise et qui sont liés aussi à une alliance. Voilà. Donc c'est ça que je voulais... Voilà. Donc vous avez... C'est l'ami de... Quand vous voulez. Mets-toi différemment parce qu'il nous a dans le cadre. Non, pas du tout. Mets-toi par là-bas. Forcément, t'as l'ombre. Avance, toi là-bas. Tu peux vérifier. Voilà. Bon. Alors... Ils sont susceptibles. Non, je vous l'avais dit. C'est pas nouveau. Il y a des règles à respecter. Jean-Paul, pose la question par rapport à Jordan. Cherche un chanteur, quoi, ils se sont quittés. Pour reprendre des chansons par exemple. Mais avant, c'est du revenu. T'as pas raconté. Il s'est passé quelque chose avec Blondin? Oui, mais Philippe, allez, viens, bon, non, c'est pas un sujet. Non, c'est pas. Il a pignon. Non, mais lui, il est tourné à des pâquerettes, lui, quoi. Il n'y a que chat qui comprend. Hein, lui, les petits ondis, les petits baratins. Lui, ça va, là. Sans déconner, je suis. Il bouniche la fille. Mais ça va, là. Ça tourne, là. Moi, je l'ai inventé. Ah, d'accord. Il y a longtemps qu'il a inventé. En attendant, on l'entend. On enregistre ces conneries, là. Non, mais d'accord. 3 jours, ça va. C'est pas nos gueules, ça suffit. 3 jours, je vais. Alors, je vais vous poser une autre question.